Bah, Bonjour, ma soeur. je sais pas si je suis en, je suis en direct, je sais Oui, pas. tu es en direct, maman. OK. Bon, on attend. Bombarder le maximum du cœur parce que la concernée est déjà là. Voilà, le maximum de cœur pour que le direct ne se bloque pas. Bon, ma soeur, je vais te dire comment ça va se passer. D'accord. Bon, on est dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Ça veut dire que tu vas d'abord nous dire, et on va aussi profiter de ça pour vraiment te vendre aussi, tu vas d'abord nous dire ce que tu fais dans la vie, comment est-ce que tu as rencontré Lolo, comment est-ce que vos affaires ont commencé. Et pour ceux qui veulent commander tes produits directement, n'hésite pas de faire ta publicité. Tu as compris? Oui. Y a un dicton chez nous qui dit que à quelque chose, malheur est bon. Tu as compris, non, ma chérie? D'accord. Ok, on te laisse l'antenne, tu te présentes et tu dis comment tu as commencé jusqu'à nos jours. Je te laisse l'antenne. Donc, bonsoir à Monsieur Amer Kamay, Amer Non, Kamay. appelle-moi Amer Kam. Enlève monsieur là-dedans. Donc, bonsoir Amer Kamay, bonsoir aux internautes. Je suis Clarisse Yenga, de nom de jeune fille. Je suis Messina Awono Clarisse. Donc, je commercialise un produit qui est fait à base d'écorce appelée Mongainé. Je tiens à rappeler que c'est une écorce séchée, écrasée et mise en gélule tout simplement parce que le goût n'est pas fameux. Je veux aussi préciser qu'il ne s'agit pas d'une baguette magique, c'est-à-dire que c'est un produit fait comme tous les autres produits. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'ai mal à la tête aujourd'hui, le para ne me baisse pas les maux de tête. Par contre, il y a des gens chez qui ça baisse. Donc, c'est vous dire. Essaye Ça va d'abord le bloquer de produit temps en avant temps. de commencer Ok, la pub. vas-y. Donc, maintenant que je l'ai dit, ça m'amène donc à vous expliquer ma rencontre avec, Non, ma prise de contact avant avec d'expliquer ta Madame Lolo rencontre avec Fondja. Lolo, avant Madame Lolo d'expliquer Fondja. ta, non, avant d'expliquer ta rencontre avec Lolo, tu comprends? Il faut d'abord Oui. que, comme la connexion n'est pas trop stable, ça veut dire que, comme tu as présenté ton produit, pour ceux qui veulent avoir ton produit, comment maman c'est ça veut dire que je t'appelle ce qu'on appelle je fais ce qu'on appelle le marketing. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que à quelque chose malheur est bon. On t'a estroqué mais ça t'a permis d'avoir un panel où tu peux vendre tes produits. Là il y a au moins 800 personnes qui sont connectées. Peut-être dans les 800 personnes il y a 100 personnes qui ont ces problèmes là. Il y a des Camerounais qui font des allers-retours tous les jours. Tu peux trouver quelqu'un à l'intérieur qui peut te donner un coup de main pour pouvoir développer ton business et de quitter dans quelque chose. Donc si tu peux mettre ton numéro commercial ou quand les gens veulent commander tes produits, ils t'appellent. N'hésite pas, maman. Tu es dans une plateforme d'Amérique à mer. Les gens vont venir te voir. Et tu profites aussi de cette plateforme pour vendre ce que tu fais. Tu as compris, ma soeur? D'accord. OK. Donc, pour commander les produits, déjà, je suis au Cameroun, je suis à Douala et j'ai un partenariat avec DHL qui me permet d'expédier dans le monde. Donc, pour les commandes de produits, il faut déjà noter que un paquet pèse 193 grammes, il contient 120 gélules. Alors, pour ceux qui aimeraient commander, je n'ai qu'un seul numéro, c'est le plus 237. 6 97 85 72 84. C'est le seul numéro. Il n'y en a pas un autre. Je répète, plus 237 6 97 85 72 84. C'est mon numéro WhatsApp et un numéro qui peut aussi servir d'appel Orange Money et tout. Maintenant, je passe donc à ma prise de contact avec Madame Lolo Fondja. OK. Madame Lolo Fondja, moi, la première fois où nous sommes en contact, c'est parce que je dois participer à une de ces émissions appelée À cœur ouvert. Je participe à cette émission en ce moment-là, je crois que ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je ne me rappelle plus trop. Je participe à cette émission en tant qu'épouse de soldats handicapés par la guerre. Parce qu'en fait, je suis épouse d'un soldat handicapé par Boko Haram.
Donc, dans cette émission, il s'agissait d'expliquer les difficultés que nous, les femmes, rencontrons en tant qu'épouses de militaires déjà à la base et quand ils vont à la guerre parce qu'ils ne sont généralement pas là. Donc, je devais expliquer ce qu'on rencontre, comment on devient des mamans et des papas du jour au lendemain, comment on est obligé de supporter la douleur parce qu'on sait que l'homme est dans le feu et de sourire devant les enfants en même temps, comment on doit souffler le chaud et le froid. Donc, grosso modo, il s'agissait de ça, expliquer nos réalités. Cette émission était terminée, bon, pas qu'on s'est perdu de vue parce qu'on ne s'était jamais vu. Bon, il y a eu un temps, il n'y avait plus de contact en fait. C'est moi qui repars vers Madame Lolofonja en 2021, je crois que c'était en avril, je ne sais plus trop. C'est moi qui repars vers elle pour solliciter une pub. Pourquoi? Parce qu'elle était venue ici au Cameroun, elle avait eu des soucis de justice, je sais plus, je connais pas les tenants et les aboutissants, mais toujours est-il dit que j'étais tombée dans un de ses directs où elle disait que pour ceux qui veulent les pubs, je suis au Cameroun, je suis disponible. Immédiatement après cette vidéo, étant donné que son numéro est sur sa page, je lui ai écrit, je lui ai dit que j'avais besoin d'une pub. Elle m'a dit il s'agissait de quoi, je lui ai expliqué. En fait, elle ne se rappelait même plus de moi, mais bon, ce n'était pas ça le but. Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait. Et en même temps, je lui ai proposé, est-ce que je peux lui donner un paquet pour qu'elle essaye? Bon, à part les sous de la pub, bien sûr, elle m'a Qu'on peut dit qu'il n'y savoir combien tu lui a as donné pas pour la de... pub? Elle m'avait demandé 100 000 francs CFA. OK. Pour un poste, donc c'est-à-dire qu'elle parlait, elle poste le produit. Elle m'avait demandé 100 000 francs CFA. Elle m'a envoyé un numéro orange. À ce numéro, j'ai expédié. Elle m'a demandé d'expédier un produit, le produit que je devais lui envoyer, étant donné que moi je suis à Douala. Elle m'a demandé d'envoyer le produit à Yaoundé, à un certain monsieur Biya. J'ai expédié le produit. Et elle À est un certain revenue monsieur, vers moi, un certain monsieur Biya, est-ce que c'est Paul Désibia? numéro qui commence. Numéro qui commence. Je me rappelle plus, mais je sais que c'était un certain nom comme ça qu'on m'avait donné, avec un numéro qui commençait par 690. Qui finissait Donc, par quoi? j'ai. Bon, j'ai pas ça en tête, mais je sais que ça commençait par 690. J'ai encore ça dans mes conversations. J'ai donc expédié le produit à Yaoundé. Il ne s'est pas passé même 2 semaines. Elle est revenue vers moi. Elle m'a dit que Attends. Un ce sont ses numéro qui propres mots. commence par 690. Oui, je ne me rappelle plus de la suite, mais c'était Bon, 600. est-ce En que fait, ça j'avais finissait par... retenu ça parce que Attends, on il va y aller avait le voir ça zéro. quoi. Est-ce que ça finissait par 2? Après, Pour tu que vas je vois, c'est regarder. faut que j'entre dans Bon, WhatsApp. Je vais et si regarder dans ça finissait par quoi? WhatsApp après. Voilà. Oui. Donc, j'ai donc envoyé le. Oh là là, j'ai perdu les mots. J'étais Non. dans quel. Oui, j'ai Tu as envoyé envoyé le la... produit à Yaoundé. Oui, il ne s'est pas écoulé de plusieurs, je crois, une semaine ou 2 semaines. Elle m'a appelé, c'est elle-même qui. Elle me Partagez. dit, Vas-y, ma soeur, Ma, continue. ton produit fonctionne. Quand elle me dit, Ma, ton produit fonctionne, moi, j'étais tellement contente parce qu'en réalité, chaque fois que je donne mon produit à quelqu'un, je prie toujours Dieu que ça fonctionne. Donc, quand elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais hyper contente que le produit ait marché sur elle. Je lui ai dit, Dieu merci. Donc, c'est comme ça que, bon, moi, je sais qu'on m'a déjà fait de la pub. C'est elle qui revient vers moi. Je lui ai jamais proposé de commercialiser mes produits. C'est elle qui revient vers moi pour me proposer de commercialiser le produit. Bon, moi, sincèrement, j'ai vu ça avec les yeux d'une commerçante. C'est-à-dire que au lieu de rester au Cameroun et de vendre, par exemple, un paquet aujourd'hui, c'est pas que je crache dessus, mais je vais vous expliquer pourquoi j'avais Tu vends un accepté. paquet à combien? 35 000 francs CFA. Et déjà, j'ai même déjà baissé le prix. Donc, c'est Et déjà à actuellement, tu le 30 000. vends à combien? Donc, 30 000. 30 000. OK, on continue. Donc, quand elle me propose, je saute sur l'occasion parce que déjà, j'étais hyper contente. Et puis, c'est une dame que moi, je voyais sur Facebook. Elle avait quand même de la visibilité. Je dis, bon,
Au lieu de rester ici et de vendre, par exemple, un paquet maintenant, attendre peut-être encore 3, 4, 5 jours pour vendre un autre paquet, pourquoi je n'accepterais pas, genre, je fais des lots, j'envoie, et puis quand elle m'envoie des sous, c'est consistant. Donc, ce n'est que sur cette base que j'ai accepté ce contrat. Et donc, je vais accepter, et donc, elle va me dire, puisque moi, je suis déjà en train de rentrer, je ne pourrais pas aller avec. Donc, envoie-moi. À la base, c'est elle qui devait d'abord partir avec les produits. Sauf que je crois qu'elle était rentrée en catastrophe. Je ne me rappelle plus trop. Donc, elle va m'appeler. Elle va me dire, envoie-moi les produits en France. Je vais envoyer les produits par DHL. Là, elle va me demander 10 paquets. Je vais envoyer les produits. À ce moment, elle a commercialisé les 10 paquets. Elle m'a envoyé les sous à raison de 22 500 francs CFA parce que comme elle prenait pour vendre et il fallait qu'elle ait aussi une Comme ça. marge. Donc, si Donc, tu as je lui ai envoyé mis. 10 paquets, elle t'a remis 220 000. Oui, effectivement. OK. Donc, Est-ce le que tu as les deuxième preuves de coup cet argent maintenant. qu'elle t'a remis? Les preuves des. Oui, bien sûr, bien sûr, OK, bien tu peux sûr. continuer. Donc, le deuxième tour des 15. Elle va donc me dire d'envoyer encore 15 paquets. Je vais envoyer 15 paquets, mais il y avait eu un souci au niveau des 15 paquets parce que. Depuis le problème COVID, DHL, quand tu expédies les produits arrivés à destination, ils demandent encore parfois de la TVA au destinataire. Donc, quand le produit est arrivé, elle va m'appeler. Elle va me dire que les produits-là ne sont pas arrivés depuis là, parce que généralement, ça doit faire 4 jours. Et même pour la France, ça fait souvent 2 jours. Elle va me dire que ce n'est pas arrivé. Moi, je vais aller à DHL. On va craquer et DHL va dire qu'on l'a cherchée chez elle. Elle n'était pas là. Je vais donc la rappeler pour lui dire qu'ils disent qu'ils vous ont cherché. Vous n'étiez pas là. Est-ce que vous pouvez aller à leur magasin pour récupérer le magasin de votre, je crois, je ne sais pas comment vous appelez, soit De la quartier? ville, oui, Elle exactement. me dit non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'apparemment, elle devait aller à une soirée. Je ne me rappelle plus de quelle soirée il s'agissait. Elle devait aller à une soirée. Elle me dit elle ne peut pas. Pas. Elle m'a stressée avec ce, parce que c'est une femme qui s'est stressée. Je me rappelle ce jour, j'allais, bon, je ne sais pas si elle peut Oui, prononcer le dans le nom de la jargon chaîne, du feu, on j'allais à appelle cette. ça. Dans le jargon du feu, on appelle ça le spirit. C'est pour ça. Continue, maman. Elle m'a stressée en me disant, les femmes sont en train de me déranger, il y a des commandes, elles vont encore récupérer leurs sous, comment tu peux envoyer des colis, est-ce que tu as su que tu as payé? Je lui dis, non, j'ai payé, comment ça? Est-ce que le colis peut quitter le Cameroun pour la France et je ne paye pas? Est-ce que Est-ce que j'ai tu as les quoi? factures d'expédition? Bien sûr que j'ai l'aile, puisque quand tu envoies le colis, tu envoies le numéro de bordereau, OK. non? J'ai tout ça, c'est dans mes Est-ce que tu conversations. as envoyé au Donc, nom au nom de Lolo? c'est à son nom à elle-même. OK. C'est à son nom à elle-même. Donc, elle m'a tellement stressé avec ça que ce jour-là, j'étais à une chaîne de télévision où je devais parler de mes produits. Je n'ai même plus fait cette émission. Je suis rentrée à la maison parce qu'elle m'avait dit qu'il y a. Bon, je ne vais pas prononcer le nom de la dame parce que c'est quand même un nom à respecter. Elle me dit qu'il y a cette dame à Yaoundé qui va rentrer. Est-ce que je peux envoyer 10 paquets à Yaoundé rapidement? Comme ça, la dame, comme elle est vient, qu'elle vienne avec en attendant qu'elle récupère les 15 paquets qui sont à DHL. Bon, moi, dans ma tête, la priorité ici, c'est de satisfaire la clientèle. Je vais rentrer ce jour, je vais emballer 10 paquets que je vais expédier à Yaoundé au nom de son petit frère. Je vais lui envoyer le bordereau à elle et à son petit frère et elle va recevoir les 10 paquets. Donc, ça fait que les 15 paquets qui sont à DHL et les 10 paquets que je viens encore d'envoyer, ça veut dire que grosso modo, on est là à 25 paquets On à a raison 25 paquets. de Et 2, 25 paquets, 25. ça te fait 552 000. Voilà, 550 000 francs Oui. CFA. La dame va m'envoyer par une autre dame, Michela Pepga, par Tap Tap. Cette dame m'avait envoyé les sous par Tap Tap Sense. Aujourd'hui encore, je lisais ça, c'était dans les 300 et poussière. Donc, Donc, ça veut dire les que sur une 500 commande n'ont de pas été rappelés. 550 000, il faut qu'on va pas à pas. Sur une commande de 550 000, tu as quand même reçu. Combien? 300 poussières parce qu'elle va m'écrire encore dans un message en me disant qu'il reste où c'est 163 euros, je vais OK. t'envoyer. Donc, oui. Donc, maintenant, pendant que j'ai envoyé ça comme ça, elle va me dire que je dois envoyer parce que là, j'avais commencé avec elle en septembre. Il faut noter ça. Quand je commence à envoyer les produits, nous sommes en septembre. Donc, pendant tout ce temps, le temps s'écoule et là, nous sommes déjà à l'approche des fêtes. De Noël passé. C'est là où elle me dit que
pour qu'on évite le stress qu'on a eu avec DHL dernièrement, parce que vraiment, il y avait eu stress. Elle m'avait stressé pour ça. Elle me dit, pour qu'on évite ce stress-là, est-ce que tu peux faire un gros paquet, tu envoies? Ça fait que, comme les fêtes arrivent, vous savez, les fêtes, on se bourre les ventres et tout. Donc, les femmes vont commander et puis on va écouler les produits. Bon, c'était logique ce qu'elle disait, pour qu'on évite vraiment la rupture. Donc, je vais faire 90 paquets, 70 paquets, nous sommes encore 70. Je vais faire 70 paquets que je vais expédier par Donc, un monsieur de l'aéroport. quand tu fais les 70 paquets, tu vends toujours à 22 000. 2500. OK. Ça fait 1 542 000. Donc, je vais donc envoyer ça en France par un monsieur qu'elle va me donner le numéro. Il travaille ici à l'aéroport de Douala. Je vais envoyer les 70 paquets, elle va recevoir. Quand les 70 paquets vont arriver, elle va me dire que on va attendre quand les femmes vont commencer à demander et qu'elle-même, elle va faire beaucoup de directs, ça va sortir. Logiquement, je vais patienter. Donc, elle va, je vais rester, les fêtes vont arriver. Je crois que c'était juste après les fêtes de Nouvel An. Pardon. Elle va me dire, elle va m'appeler un jour, étant donné que c'est moi qui étais partie vers elle pour lui demander que c'est comment là-bas, tata Lolo. Parce qu'à chaque fois que j'avais des soucis, j'allais vers elle, je lui disais, ma pardon, ça ne va pas ici. Tu peux m'envoyer quelque chose là-bas, même si tu as déjà vendu combien. Donc, je vais donc repartir vers elle comme à l'accoutumée pour lui demander comment ça se passe. Elle va commencer à m'expliquer que vraiment les 70 paquets qui sont arrivés, elle a eu des soucis parce qu'il y a tellement les commandes affluaient. Ça, c'est ce qu'elle me dit, tellement les commandes affluaient. Il y a des dames, elles, qui ont envoyé les sous par Western Union ou MoneyGram, je crois qu'elle m'avait dit un truc comme ça. Elle a oublié d'aller récupérer. Il y a même l'autre qui a envoyé par, comment on appelle votre truc là? PayPal. C'est bloqué. Et il y a une autre dame à qui elle a envoyé des produits alors qu'elle n'avait même pas encore reçu les sous. Donc, en fait, c'était pour me dire que l'afflux des commandes l'a embrouillée au point où il y a eu des pertes. Et c'est là où elle me dit que son mari lui a proposé qu'il faut qu'elle paye un calepin où elle va commencer à noter les commandes, c'est-à-dire quand quelqu'un commande déjà, elle écrit pour ne pas oublier, pour ne pas confondre. On va se retrouver là. Et là, elle ne me donne pas exactement combien a disparu. Pour dire vrai, elle ne me donne vraiment pas, elle ne me dit réellement pas combien a disparu. Et sans vous mentir, ce même soir, je vais commencer à lui dire que ça peut arriver. J'espère que maintenant, on va vraiment, vous allez être posé. Il faut vraiment payer un calepin pour qu'on note tout ça. Entre-temps, moi, je sais que même s'il y a quoi, elle va quand même me donner quelque chose. Elle me dit, donc, ce qui reste là, attends, on finit ça. Et puis, comme les femmes sont en train de payer, je vais arriver là-bas et puis on va faire les comptes. Elle revient, je crois que c'était 2 ou 3 semaines après, parce qu'elle va revenir ici en mars. Donc, entre janvier et mars, elle va revenir, elle va me dire que ma envoie les produits. Quand tu restes comme ça, là, il faut qu'il y ait les produits ici sur place. Comme ça, quand je verse ça, les femmes voient que c'est beaucoup. Quand ce n'est pas beaucoup, ça ne les encourage pas. Moi, je n'ai plus assez de produits ici. Donc, envoie les produits, que je fais une vidéo, je verse. Elle va d'ailleurs faire une vidéo où elle verse. Pour dire vrai, parce que j'avais envoyé les 90 produits toujours par l'aéroport. Et quand les produits arrivent, elle va m'appeler, elle va me dire que 10 paquets ont disparu dedans. Je lui dis, 10 paquets ont disparu comment? Elle va me dire que, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Allô? Oui, je OK. t'entends. Elle va me dire qu'il faut appeler le monsieur de l'aéroport. Je vais rentrer vers le monsieur de l'aéroport, je vais lui demander que. Les paquets que je vous ai envoyés dernièrement, on dit que c'est arrivé en France et il manque 10 paquets. Le monsieur me dit non, moi je pèse les produits avant que ça ne quitte au Cameroun et je pèse même encore ça devant la personne qui part avec les produits. Donc s'il y a manque à l'intérieur, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi sincèrement, j'ai cru au monsieur de l'aéroport, mais je me suis dit que c'est la personne qui a transporté, qui a dû, je sais pas. Trop, soit la personne connaissait le produit. Donc moi, en fait, psychologiquement, j'ai accusé la personne qui avait transporté. Et donc, ça va donc me pousser à aller lui dire encore qu'il n'y a pas de souci. Si on paie les gens, on peut perdre aussi 10 paquets. On est là à 80 paquets donc maintenant, puisque 10 paquets,
ont disparu. J'attends dans le rendez-vous de mars. Elle va arriver ici en mars. Elle va me faire appeler. Je vais aller la rencontrer chez sa belle-mère, la mère de son époux. Elle n'est pas mariée. Je vais arriver là-bas. La mère de son Je vais conjoint. arriver là-bas. Bah, moi, je ne sais pas. Non, mais Je vais elle n'est arriver pas mariée. là-bas La et mère de puis. son colocataire. Je te dis, c'est une information seulement. D'accord. Donc, je vais arriver là-bas. On va passer presque toute l'après-midi parce qu'on va me quitter de là. Elle va m'amener dans une autre maison. Je pense qu'elle disait c'est la reine mère des Lolomania, quelque chose comme ça. Donc, je vais arriver là-bas et arriver là-bas, elle va m'expliquer que elle aimerait avoir la vente exclusive de mes produits. Bon, jusque-là, moi, je ne vois pas de problème parce que de toutes les façons, les produits sont encore chez elle. Et pour dire vrai, tout le monde sait déjà sur Facebook qu'elle vend mes produits. Je lui dis, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais que quand j'envoie les produits, faites l'effort de m'envoyer les sous. Parce que quand ça dure, je ne parviens plus à tourner. C'est un argent que je peux prendre quelque part. Je paye les gélules, je ne les paye pas au Cameroun. Je les fais venir depuis l'Allemagne. Je lui dis, quand c'est bloqué comme ça, ce n'est pas bon pour moi. Parce que ici, sur place, s'il y a quelqu'un qui veut, je ne pourrais pas parce que c'est bloqué là-bas. 90 paquets, c'est un investissement. L'écorce, moi, je n'entre pas en bourse. Moi, je paye ces écorces-là. Écrasées, est-ce que c'est moi qui écrase? Ce n'est pas moi qui écrase. Même quand je fais 90 paquets, je ne peux pas faire 90 paquets moi seule. J'ai de l'aide. Même les emballages, même l'étiquette qu'on colle dessus, tout ça entre dans les dépenses que je suis censée aussi assumer après. Donc, je lui ai expliqué ça, c'était pour remettre les bases. Pour que, comme elle dit qu'elle va faire la vente exclusive, que je n'ai plus à revenir chaque fois chez elle demander les sous, que ce soit automatique chez elle, que quand elle vend, elle m'envoie les sous. Elle va me dire qu'elle a suivi. Elle me dit, OK, demain, on va t'envoyer 1 500 000. Je tiens à rappeler qu'ici, il y a un reliquat des 70 paquets et il y a 90 Oui. paquets chez elle. Au total, Elle va avec m'envoyer, combien de elle paquets au va total? 150. 70 paquets plus 90. Ah, ça fait 160 paquets. Oui, à raison de 22 500. Et donc, elle va me dire, on va t'envoyer 1 500 000 francs demain. Le lendemain, elle ne va pas envoyer. Elle devait Ce t'envoyer que cette femme ne 1 500 000 comprend pas. du 3 600 000. Oui, c'est elle-même qui sort de sa bouche. On était assise sur le lit du fils de son mari. C'est elle qui me dit que demain, on va t'envoyer 1 500 000. C'est elle qui sort de sa bouche. Je lui dis, OK. Moi, Donc, quand vous tu me étiez dis que tu vas assise, m'envoyer 1 million. donc quand vous étiez assise sur le lit du fils de son colocataire, c'est là où elle t'a dit qu'elle va t'envoyer 1 500 000. Oui. OK. Du coup, quand toi tu me dis que tu vas m'envoyer 1 500 000, ça fait que la dame qui fait les étiquettes, à qui peut-être je dois 150 000, je lui ai déjà dit. Le petit qui vient souvent m'aider avec le gélulier, je lui ai déjà dit que je vais lui envoyer son argent. Parce que je sais que j'attends 1 500 000 demain. Sauf que le lendemain, la dame ne va rien me dire. Le surlendemain, elle ne va rien me dire. Je vais donc repartir vers elle, je crois 2 ou 3 jours après, pour lui demander que c'est comment. Elle va m'envoyer un message avec une icône qui rit en me demandant que tu as peur. Je lui dis non, je n'ai pas peur, c'est parce que j'ai des engagements. Du coup, elle va me dire, je suis au village. Dès que je vais rentrer du village, on va t'envoyer l'argent. Effectivement, quand elle rentre du village, son petit frère va me faire un dépôt de 1 500 000 francs à travers un kiosque. Donc, j'ai reçu les 1 500 000 en 2 tranches. Je les ai reçus, je lui ai écrit, je lui ai remercié. Elle me dit donc, OK, comme je vais rentrer, il faut que tu envoies les gélules, puisque là, comme c'est diminué, il faut que tu envoies les gélules. Je vais encore faire un paquet de 94, un colis de 94 paquet. Et le jour où elle me disait chez sa belle-mère que est-ce qu'elle peut avoir la vente exclusive, elle va me dire, s'il te plaît, je ne gagne rien dans les gélules là. Entre-temps, je ne suis pas encore au courant qu'elle vend les gélules à 65, je crois 60 ou 65 euros. Oui, là, Donc bon, ce non, jour-là, elle vendait ça, l'équivalent
En gros, l'équivalent en CFA, c'est 40. En gros, elle vendait le double de ce que tu l'envoyais. Moi, je n'étais pas encore au courant à ce moment-là. Donc, elle me dit, ma, je ne gagne rien. S'il te plaît, donne-moi le paquet à 20 000. Je vais accepter. Ça veut dire que les 94 paquets qui vont partir là partent à 20 000 francs CFA. Donc, quand j'envoie ces paquets, je vais rester. J'ai fait pratiquement, je ne sais même plus, mais c'est pour moi, ça m'a Attends, paru une tu éternité. as Je discuté crois avec trois elle la mois. dernière fois qu'elle était au Cameroun, c'est ça? Oui. Donc, Continue. je vais rester, je crois, 3 mois, je ne sais plus trop. Un jour, je vais repartir vers elle pour lui demander que c'est comment. Elle s'est fâchée ce jour-là parce que quand je vais vers elle, je lui dis que Tata Lolo, les produits qui sont là-bas, c'est beaucoup. J'ai trop investi et je me suis endettée. Et effectivement, je m'étais endettée pour faire ces produits. Je lui dis, quand ça dure comme ça me peine. Même si vous avez combien là-bas, envoyez-moi pour que j'essaye. C'est ce jour-là qu'elle va se fâcher devant la dame qui vend les perruques à Paris. Si cette dame est véridique, elle peut dire la vérité. Tata Lolo m'a lavé ce jour comme un poisson pourri parce que je lui ai seulement dit que je me suis endettée pour ces produits. Elle a commencé à me dire qu'avec tout l'argent que je t'ai fait gagner, il fallait aller donner tes produits à tes soeurs Yaoundé. Cette femme m'a lavé ce jour. Je me rappelle, mon mari m'a trouvée, j'étais en train de pleurer tellement j'étais choquée. Vous savez, quand quelque chose tombe sur votre tête, vous ne vous attendez pas à quelque chose comme ça. Je me rappelle seulement que je lui demandais que Tata Lolo, il y a un autre problème. Tata Lolo, il y a un autre problème. C'était tout ce que j'ai pu sortir de ma bouche ce jour-là. Parce que c'est vraiment une femme, quand elle va en vrille, elle va en vrille. Donc, ce n'est pas fait à moitié, en fait. Non, je sais, en principe, c'est quand le fait a raté. Vous continuez, maman, je vais t'expliquer ça plus tard. Continue. Du coup, je me suis seulement retrouvée en train de pleurer parce que j'ai horreur des gens qui. J'ai grandi dans une brutalité de telle sorte que. C'est pour ça que je suis toujours dans mon coin. Je n'aime pas. Quand quelqu'un commence déjà à faire genre, il me gronde, il me persécute, je préfère fuir. Donc, ce qui fait que. Tu n'aimes pas les problèmes. Ce n'est que les larmes. Qui ont commencé à couler. Je me rappelle seulement tellement j'étais choquée, j'ai commencé à lui demander que Tata Lolo y avait un problème. Tata Lolo y avait un problème. Elle m'a insultée. Ça s'est arrêté là parce que en queue de poisson, elle a raccroché. Le même soir, vers minuit ou 1 h, j'étais éveillée parce que je vous jure, je n'avais pas dormi. J'étais éveillée. Je commence à voir comment les messages défilent au-dessus de mon écran et elle était en train d'écrire. Vraiment, si cette femme croit en Dieu, je suis choquée de rencontrer une dame comme ça. Je lisais comment elle écrivait en disant, en s'excusant en fait, que c'est parce que quand elle a des problèmes, elle a des pressions, et elle n'aime pas quand on lui parle d'argent et tout, donc elle s'excuse et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que ce jour, elle avait décidé qu'elle ne vend plus mes produits. Et moi, ce qui me faisait pleurer, c'est parce que je savais que j'avais assez de produits là-bas. Quand elle décide qu'elle ne vend plus mes produits qui sont là-bas, je vais faire comment? Donc, elle a donc commencé à me dire, à écrire des excuses comme ça. Bon, puisque cette nuit, pour dire vrai, je ne voulais pas ouvrir les messages parce que je ne voulais plus qu'elle m'appelle. Parce que si j'ouvrais, elle voyait que je suis en ligne, elle allait m'appeler. Je me suis dit, OK, je vais lire les messages le matin. Sauf que quand je me réveille le matin, elle avait tout effacé, les messages d'excuses. Et puisque à ce moment, sa sœur aussi avait mes produits en Allemagne, je dois noter ici que sa sœur en Allemagne avait mes produits, son petit frère à Yaoundé avait mes produits. Donc, elle, il y avait trois personnes autour d'elle qui commercialisaient mes produits. Mais les produits qui sont allés chez sa petite sœur, c'était des produits à part. C'était 50 paquets. Là-bas, je n'ai pas eu de souci. Chez son petit frère, quand il vendait ses 10 paquets, il m'envoyait mon argent. Donc, franchement, je n'ai jamais eu de souci Donc, on est avec. bien clair que la sœur de Lolo, elle est clean. Oui, je n'ai Que pas le eu petit de frère de problème. Lolo, il est clean. Oui. Mais le problème. Les problèmes d'argent qu'il y a, c'est elle qui connaît comment ça s'est passé entre elle et la dame qui vend les perruques à Paris. Parce qu'apparemment, la dame aussi vendait mes produits. Mais là, je ne peux pas prononcer la dame parce que je n'ai jamais traité avec elle directement. C'est comment elle départageait les produits quand ça arrivait là-bas. Donc, j'étais donc en train de dire que ce jour-là, donc, quand sa petite sœur vient m'écrire, je lui dis, elle, je ne sais pas ce qu'elle m'avait demandé, je lui dis, votre sœur a décidé de ne plus vendre mes produits. Elle était choquée, elle me demandait, mais comment ça, elle ne vend plus? Je lui ai expliqué la situation telle que ça s'est passé. Elle me dit, Clarisse, reste tranquille, je vais lui parler. Effectivement, sa grande sœur revient dans le lendemain. Elle me dit, on va continuer à faire le commerce. Ce qu'il y a ici,
sache que ça ne passe pas. Les produits ne passent plus. Beaucoup de filles vendent déjà les produits sur Facebook, les gélules sur Facebook. Et comme on a vu que je vendais, elles s'y sont mises aussi. Donc, moi, je vais laisser. Ce que je te propose, c'est que les produits que j'ai ici, qu'on vende ça, un acheté, un offert. Mais est-ce que Hein? tu savais qu'elle vendait un produit à 65 000? Je vous dis, c'est dans le un acheté, un offert là que je vais découvrir le prix. Parce qu'il y a une dame qui va venir m'écrire. Une dame, je crois que c'était un numéro de Suisse. Donc, c'est à cette période-là maintenant que je vais savoir que en réalité, les produits sont vendus à 65 euros. Donc, pour l'instant, là, je ne connais pas. Elle me dit qu'elle va vendre les produits, un acheté, un offert. En réalité, je sentais que ce commerce battait déjà de l'aile. Et je disais, on dit souvent, quand tu te noies, même tu t'accroches à tout. Donc, quand elle me dit, elle va vendre un acheté, un offert, puisqu'il y avait aussi les produits chez sa sœur, je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Dans les produits que vous avez calculés, si on multiplie, on divise par deux, c'est-à-dire vous additionnez ce que vous avez là-bas, on divise par deux, on multiplie ça par 20 000, parce que peut-être elle va dire qu'elle vendait à 20 000, elle prend 20 000. Dans ces produits, tous ces produits, j'ai reçu 400 000 francs CFA. J'ai reçu 400 000 francs CFA. Elle revient vers moi et entre-temps, les produits qui sont chez sa sœur ne sont pas finis. Les produits qui sont chez son frère à Yaoundé ne sont pas finis. Elle revient vers moi et les produits qui sont chez Michela Pepga, que je ne connais même pas le nombre, elle me dit que ce n'est pas aussi fini. Elle revient vers moi. Elle me dit qu'il y a un monsieur qui veut vendre mes produits en gros. Est-ce que je peux envoyer les produits à ce monsieur, lui va continuer à prendre en gros, elle ne vend plus. Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Je vais faire 15 paquets que je vais envoyer à Yaoundé, à son petit frère, parce que c'est son petit frère qui était chargé de prendre les 15 paquets à les remettre où il fallait. Donc, moi, je suis ici, je sais que les produits, j'attends juste les sous. Un jour, je vais aller vers elle, je vais lui dire, je vais d'abord dire à sa petite sœur que les produits qui sont chez vous, il faut calculer combien c'est. Je vais récupérer les produits, c'est-à-dire je vais reprendre les produits en fait. Je vais aussi aller vers elle, je lui dis que vous dites qu'il y a les produits chez Madame Michela Pepga, j'aimerais récupérer les produits. Je vais appeler son petit frère Yaoundé, je vais lui demander, vous avez combien de paquets? Il me dit 5. Le lendemain, il va revenir, il me dit que les 5 paquets sont partis à Paris chez sa sœur. Je lui dis, mais vous avez envoyé 5 paquets à Paris encore? Il me dit, OK, je lui dis, il n'y a pas de souci. Je vais donc dire à Madame Le Fonja que je vais récupérer tous les produits qui restent. Entre-temps, je lui demande donc, et les produits que le monsieur avait pris, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Elle me dit que les 15 paquets là sont ici, c'est-à-dire chez elle, que ça ne passe pas. Et 2 jours après, une femme m'écrit, elle me dit qu'elle appelle un monsieur à Yaoundé qui lui avait livré 5 paquets. Elle ne sait pas. Le monsieur ne réagit pas. Je lui dis, il s'agit de quel monsieur? Le nom qu'elle me donne, ce n'est pas le nom du petit frère de Lolo. Je lui dis, mais attendez, c'est quel monsieur qui vend mes produits à Yaoundé? Elle me dit qu'elle avait payé ses produits chez ce monsieur-là et maintenant, il ne réagit pas. J'appelle donc le petit frère de Madame Lolo. Je lui dis, les produits que vous avez récupérés chez moi un jour en disant que ça partait chez un grossiste, vous avez remis ça à qui? Il me dit qu'il avait remis à un monsieur à Yaoundé. Alors que Lolo, elle m'a dit que les produits sont chez elle à Paris. J'ai compris que le monsieur avait payé les 15 produits chez elle. Donc, en réalité, quand elle est en train de me dire que les produits sont chez elle, ce n'est pas chez elle, elle avait déjà vendu les produits depuis. Et donc, moi, je vais rester tranquille. Je vais donc dire à Lolo qu'elle me remette tous les produits parce que je savais déjà qu'il y avait anguille sous roche. On va donc compter les produits et les produits de son petit frère et les produits du monsieur. Et les produits qui sortent chez Madame Michela et les 18 paquets, il restait 18 paquets chez sa sœur, elle avait remis ces 18 paquets-là. On va compter tout ça. Il va s'avérer que dans ces produits, il y a 28 paquets qui disparaissent. Elle va commencer des discussions avec Madame Michela. Madame Michela qui lui dit que non, ce n'est pas comme ça que tu m'avais remis les produits-là. Elle qui est en train de lui dire que non, c'est comme ça que je t'avais remis. Grosso modo, on est dans un embrouillis où je me retrouve avec une perte de 28 paquets. On a passé presque 45 minutes au téléphone ce jour-là. Elles étaient en train de discuter et tout. Et c'est encore moi qui vais amener de l'ordre. Je vais dire à Tata Lolo que le bavardage, franchement, je ne suis pas habituée. Si on a perdu 18 paquets,
Calculons donc ce qui reste. On va calculer ce qui reste. Parce que Madame Michela va dire qu'il y a des femmes qui ont emprunté les produits. Et ce qui reste sur place là maintenant, c'est 8 paquets. Je vais dire, OK, je vais envoyer quelqu'un récupérer les 8 paquets. Calculons donc ce qui est, ce que vous dites que c'est dehors. On va calculer, ça va faire 420 000. C'est ces 420 000 qui nous amènent ici aujourd'hui. Parce que quand on va calculer les 420 000, on est au mois de octobre. Elles vont me dire que le 15 novembre, elles vont m'envoyer ces sous-là. Le 15 novembre, personne ne me contacte. Le 16, personne. C'est moi qui repars vers la dame parce qu'elle avait dit que c'est Madame Michela qui va payer les 420 000. Je repars vers la dame, je lui écris, bonsoir madame, j'attendais votre retour le 15, je ne l'ai pas reçu. On ne va pas me répondre. Elle va revenir, je crois, c'est une journée après, parce que je suis encore rentrée vers Tata Lolo pour lui dire que, mais la dame que tu dis qu'elle va m'envoyer les sous, elle n'a pas encore envoyé. C'est là où elle vient m'écrire. Elle m'avait même appelée, elle me dit qu'elle est souffrante et tout bon. Elle me dit, je vous reviens, je suis malade et tout bon. Je vais rester tranquille. Les 420 000 ne me sont pas encore donnés. Elle va revenir vers la fin du mois de novembre. Elle va m'envoyer 166 000 dans les 420 000. Je vais repartir vers Tata Lolo et lui dire que je n'ai pas reçu tout l'argent. Elle va me dire qu'elle va appeler la dame. Et quand la dame m'envoie 166 000, elle me dit que je vous reviens dans quelques jours. Elle ne va pas revenir vers moi. Je vais rester tranquille. Je vais repartir vers Tata Lolo. Je vais lui dire, Tata Lolo, c'est dans les captures que je vous ai envoyées. Je vais lui dire que Tata Lolo, je reviens vers vous avec les larmes aux yeux parce que cet argent que vous voyez, il y a la scolarité de mon enfant dedans. Duval, pour ceux qui sont à Douala, à Duval, si tu n'as pas payé la deuxième tranche de ton enfant avant Noël, il ne compose pas. Donc, c'est vous dire que je n'étais pas bien je suis repartie vers cette dame. Et entre-temps, je sentais déjà les prémices de la maladie sur moi, mais je me disais que je dois avoir un palu. Je négligeais en fait parce que je marchais même avec. Donc, je vais donc réclamer les sous. Tata Lolo va me dire que vraiment, elle se retrouve, c'est dans les captures que je vous envoie, elle va dire qu'elle se retrouve dans les problèmes à cause de cette fille-là parce que c'est cette fille qui a vendu mes produits. Elle ne sait pas ce que la fille a fait avec mon argent. Mais que elle assume, elle va donner. Donc, je vais donc encore rester tranquille. Entre-temps, je tombe malade, vraiment. Je commence à gonfler. Je vais commencer des traitements. Je vais commencer des traitements qui ne. Allô? On t'écoute, on t'écoute. Je vais commencer des traitements qui n'aboutissent pas. Et nous sommes en Afrique. On va me faire des tests de poison qui vont s'avérer positifs. C'est comme ça que je vais repartir vers Madame Lolo parce qu'il fallait que je commence les traitements. Je vais aller lui dire que maman, je suis souffrante. Si vous pouvez faire l'effort, elle me dit que je vais t'envoyer les sous la semaine prochaine. La semaine prochaine là est passée. Quand je repars vers elle, elle me dit que ma, je vais t'envoyer les sous lundi. Lundi là, on est là à 254 000 francs CFA. Parce que le reste d'argent qu'on a compté en haut là, j'avais laissé, pour vous dire vrai. Donc, on est là le lundi, pas lundi qui est, lundi qui est passé. Elle me dit que je vais te donner ça lundi. Je reste lundi matin, elle ne me contacte pas. Je repars vers elle pour lui écrire que, c'est toujours dans les captures que je vous envoie, pour lui écrire que Tata Lolo, pardon, j'espère qu'aujourd'hui ne va pas finir. C'est là, elle me dit que je voulais même t'écrire, je suis bloquée. Je lui dis, mais comment vous venez me dire maintenant que vous êtes bloqué? Qu'est-ce que je dis maintenant aux gens qui sont devant moi, à qui aussi je dois donner les sous? Et vous attendez le jour J. M'étais même fâchée ce jour-là parce qu'elle m'a demandé que tu veux alors que je fasse comment? Je n'ai pas un centime. Je lui dis, mais pourquoi vous me dites que tu veux que je fasse comment? C'est vous qui me donnez un rendez-vous. Quand je reviens vers vous, me demandez que vous voulez que je. Est-ce que je vous persécute? Elle me dit que ma, pardon, avant samedi, je vais t'envoyer les sous. Je reste lundi, mardi, mercredi, elle ne réagit pas. Jeudi, étant donné que je devais sortir pour aller faire mes traitements, je me dis, je vais lui laisser un message avant de sortir. Je lui écris le message que, pardon, Tata Lolo, fais l'effort de m'envoyer les sous avant samedi. Je suis même déjà comme une malhonnête devant le papa là. Je vous jure, cette femme, c'est pour ça que je ne comprends pas quel a été le déclencheur de sa colère ce matin-là.
Cette femme m'a lavé, m'a insulté, Deuxième fois. a insulté mes produits, comment elle n'a jamais utilisé mes produits, comment il y a des gens qui se plaignent, comment j'ai jamais eu, je ne sais pas ces gens qui se plaignent, je ne sais pas où ils sont allés se plaindre. Elle me dit, elle va aller s'asseoir sur Facebook, si je crois qu'elle a peur de moi. La première question qu'elle m'a demandé, c'est que, est-ce que tu crois que j'ai peur de toi? Je lui ai demandé, ah bon? Elle me dit, comment je suis ingrate? Je lui dis, mais attends, vous me traitez d'ingrate par rapport à quoi? Comment je suis ingrate? Je suis hautaine. Je lui dis, tata Lolo, et tout ça sort d'où? C'est dans toutes les captures que je vous ai envoyées. Tellement j'étais choquée ce matin-là parce qu'il n'y avait eu aucun déclencheur. Il n'y a rien qui justifiait sa colère ce matin-là. Elle m'a envoyé une panoplie de voice. Dans les captures que je vous ai envoyées, vous allez constater comment c'est supprimé, 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 supprimé. Tout ce que j'ai pu sauvegarder, c'est ça que je vous ai envoyé parce qu'elle a fini d'envoyer et puis elle a effacé les voix. Je pense que c'est les écrits qu'elle n'avait pas pu effacer. Et donc, moi, j'étais choquée. Je commence à lui demander que, mais est-ce qu'il y avait un autre souci à part ce problème d'argent? Bon, moi, je vais rester tranquille. Samedi, elle revient le matin. Elle va m'écrire que je vais sortir à 14h et je vais t'envoyer les sous et puis je vais t'envoyer la capture. C'est comme ça que je vais rester tranquille parce que je n'avais même pas répondu samedi matin-là. Samedi vers 15h30, elle va m'écrire, elle me demande, est-ce que tu peux me renvoyer ton nom comme j'ai changé de téléphone? Je vais lui renvoyer mon nom. Elle va m'envoyer, pas un bordereau, elle va envoyer ce jour-là un message écrit où elle a mis le numéro que je juge que c'était le numéro de bordereau. Elle a écrit ça, elle a écrit son nom et elle écrit en bas 200 000. À l'instant que je lui écris, je lui dis, mais attendez. Est-ce que mon argent, c'est 200 000? Vous m'envoyez 200 000, mon argent, ce n'est pas 200 000. Elle me dit, c'est ce qu'on avait calculé avec Michel. Je lui dis, non, vous ne pouvez pas dire ça. Allez demander à la dame, mon argent, ce n'était pas 200 000. C'est là où elle me dit que on ne t'avait pas envoyé le reste d'argent de la dernière fois, alors qu'elle est au courant. Je lui dis, non. Et à l'instant, je me suis levée parce qu'il était déjà, je crois, 16 heures. Je suis allée à RIA. On m'a demandé de photocopier ma carte. J'ai photocopié. La dame a mis le numéro. Elle me dit, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien écrit le numéro? Je prends le message de Madame Le Fondja, je présente à la dame. C'est là où la dame me dit, soit le numéro est erroné, soit les sous ont été retirés. Bon, quand moi j'apprends ça, à un moment j'ai même dit que bon, il n'y a pas de problème. Comme je dis, c'est samedi. Lundi, j'irai encore faire une tentative. Bon, pendant que moi je suis assise à la maison, j'attends que lundi arrive. Dimanche matin, Madame Lolo Fondja m'écrit en me disant que tu envoies les voices aux gens, tu penses qu'ils vont me faire quoi? Je lui dis, mais attends, vous parlez de quelle voice? Elle commence à me dire que je suis en train d'envoyer les voices aux gens. Je lui dis, vous parlez de quelle voice? Elle m'envoie un voice que moi j'ai envoyé à sa petite sœur jeudi, où je me plaignais pour dire à sa petite sœur que dites à votre grande sœur d'arrêter de m'insulter. C'est là où je lui dis, mais moi j'ai envoyé ce voice à votre petite sœur, je ne sais pas d'où vous sortez ça. Elle me dit que sa petite sœur ne lui a pas parlé de ça. Je dis, mais demandez-lui donc. C'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, quand vous voyez le problème, c'est parce qu'elle a commencé à m'insulter. Elle est allée écrire à un numéro qui est revenu m'écrire. Comme quoi, je serais en train, j'aurais mangé près de c'est combien derrière elle et tout, m'insulter là-bas et dire comment elle va me traiter sur Facebook. Donc, c'est donc ça la raison de ma venue sur Facebook. Je crois que c'était hier ou avant-hier. C'était parce que j'en avais marre de me sentir piétinée et en même temps, on veut m'amener sur Facebook. Bon, on te doit combien? Lolo te doit combien d'après toi? Par rapport à ce qui reste. La somme que je réclame à Madame Lolo Fonja, 254 000. Bon, on va. C'est-à-dire que si elle me demande ce que moi je lui demande, au dépend de tout le reste, c'est 254 000. On va dire, voilà, on va dire 260 000. Tu sais, avant qu'on en. Je vais parler avec toi d'une manière franche. Je vais parler avec toi comme quelqu'un qui connaît le Cameroun. Tu comprends? Hein? Est-ce que tu es sûr que ton produit marche? La première Mon question produit, que je vais te poser. oui. OK. La deuxième question est la suivante. Est-ce que tu regrettes avoir travaillé avec un membre de la diaspora? La question est un peu complexe parce que Est-ce que
Je ne vais pas Que tu courir. regrettes avoir. Est-ce que le comportement de Lolo envers toi est regrettable? Oui. Ok. Tu sais, Facebook, c'est le tribunal du pauvre. Chacun paye le problème comme il peut. Mais il faut que je te dise quelque chose de très important. Dans la vie, quand tu es bon et quand tu es loyal, tu finis toujours par gagner. Je suis un chef d'entreprise. Si ton produit est bon, comme tu le dis, il y a plus de 1500 personnes qui nous regardent. On a une dame qui est là. Pour ceux qui me contactent, vous me contactez. On a une dame qui est là, qui a une valeur, qui a un diamant brut. Celles qui veulent faire les affaires avec cette dame, on dit souvent chez nous que à quelque chose, malheur est bon. Il ne faut pas que l'inefficacité, l'insolence et le mensonge de Lolo viennent ternir l'image de la diaspora. Voilà une femme qui vend un produit efficace, des amincissements. Une femme qui vend un produit à 20 000 francs, qu'on vient de le vendre ici en France à plus de 60 000 francs. Ça veut dire que le produit de la femme, là, marche. Ça veut dire que le produit de cette femme marche. Donc là où la dame est là, ceux qui peuvent lui donner un coup de main, pour ceux qui ont déjà fait un business au Cameroun, et c'est 260 000. Ça ne peut pas nous dépasser. Mais montrons à cette femme qu'il n'y a pas de... Il n'y a, ça veut dire que sorcières comme ça, là, il y en a plein. Mais au moins, derrière une sorcière, tu es tombé sur un gars fiable et efficace. Je m'appelle Amer Kamer. Je suis dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat communautaire. Ton produit est bon, ton produit a fait ses preuves. Donc, s'il y a certaines personnes qui peuvent travailler avec toi, que ces personnes entrent en contact avec toi, l'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. S'il vous plaît, Oui. avant que je n'oublie, parce que j'ai une mémoire fuyante. Voilà, finis de parler. Quand tu as fini, tu me dis. Aujourd'hui, dans un direct ce matin, Madame Lolo Fondja a déclaré qu'elle ne va pas remettre les sous. Mais dans l'après-midi, dans son propre direct à elle, elle a déclaré et elle a appelé, je ne sais pas qui elle a appelé, soi-disant quelqu'un de RIA, qui lui a dit que elle a envoyé les sous et que les sous ont été retirés, pris. Ce que je vais dire ici, c'est que j'ai jamais reçu ces sous. Si les sous ont été pris réellement, ces sous ont été repris par l'expéditeur. Si les sous ont été pris. Et aussi, j'ai très mal de me retrouver dans cette situation, me retrouver sur Facebook. Mais croyez-moi, je n'avais pas le choix. Ma Je n'avais chérie, tu n'as pas à te pas justifier. le choix. Je vais te dire très clair, Clarisse. Tu n'as pas à Oui. te justifier de ta bonne foi. Tu as compris. Tu as été naïf parce que tu ne connais pas. Tout le monde est naïf. Tu te rappelles qu'on avait escroqué les 11 000 euros de Flore, c'est sorti. On appelle ça le pouvoir du peuple, le pouvoir des followers. Mais, moi, ce que je Vous te savez, je lis là où on dit que j'ai été bête. Non, Je n'ai pas été laisse, bête. ma chérie, Cette laisse. dame a une Maman, visibilité et je ne pouvais Clarisse, pas Clarisse, imaginer qu'elle allait Clarisse, bafouer sa Clarisse. visibilité pour des sous. Tu es en train de parler avec, tu es en train de discuter avec moi, n'est-ce pas? D'accord. Tu m'écoutes, tu vas laisser les sorciers là, les gens qui touchent le RSA de côté. Là, on est en train de parler affaires. Les gens qui veulent investir sur toi veulent voir d'abord si tu as le tempérament, si tu as la patience, si tu as beaucoup de choses. On n'investit pas sur des gens impulsifs. On investit D'accord. sur les gens qui ont la maîtrise. Moi, ce que je vais faire pour toi, c'est de trouver le maximum d'investisseurs qui peuvent commercialiser ton produit pour que eux-mêmes soient quelqu'un et toi-même tu sois quelqu'un. Parce que tu nous as montré dans tes yeux et dans ta façon de faire que tu peux faire ce qu'on appelle gagnant-gagnant. C'est le projet qui fait l'argent. L'argent n'a jamais fait le projet. Les 260 000 qu'elle t'a pris, qu'elle mange, qu'elle chie ça. Qu'elle mange, qu'elle chie ça. Aujourd'hui, le but pour moi, c'est que de te mettre en, de te mettre comment je vais dire, un système de marketing en place qui te permet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent le produit que tu vends là. Il y a beaucoup de femmes qui ont la connexion du produit que tu vends. Je préfère que tu sois en connexion avec ces vraies femmes, celles qui connaissent le milieu du business, que d'aller marcher avec des gens qui touchent le RSA, que d'aller marcher avec des gens
qui se pavane un peu partout en se prenant pour des femmes d'affaires. Et pourtant que derrière, il y a une femme qui n'arrive pas à inscrire son enfant à l'école parce qu'elle a donné des produits à des femmes dans la diaspora. Elle donne des produits à 20 000 qui sont vendus à plus de 90 euros. Et quand elle veut parler, on ose le bloquer. Non, tu sais, ma chérie, beaucoup de femmes. Et je vais m'encore. Bon, comme tu es là, on va faire un truc très simple. Tu sais, comme tu t'es plaint. Tu as un numéro Orange Money. Oui. Attends, je vais épingler ton Orange Money. Ceux qui veulent t'aider vont t'aider. Parce que tu as vraiment besoin. Tu as montré, du moins, tu as montré que. C'est quoi ton numéro OM? Plus 237. Mmh, 237 697. 00 237 697 72. Attendez, j'oublie souvent mon numéro. 697 85 72 Attends, 84. 600, 6, attends, 697. 97. Attends, recommence, 600. 697 Oui, 87 85.4. Et quoi encore? Six cent quatre-vingt-dix-sept, quatre-vingt-cinq. Eh, Angala est parti. Attends, je t'appelle avec le. Faut pas que tu partes comme ça, maman. On va te. Il est inadmissible qu'on vienne mettre la honte sur la diaspora camerounaise. Après, maintenant, on va discuter. Quand je vais. Attends d'abord, j'ai ton numéro, c'est par WhatsApp. Ok, je vais t'appeler par WhatsApp. Ouais, donc tu disais que ton OM c'est, attends, ton OM c'était. 697. Attends, OM 00 237 697 85. 85 72. 72 84. 84. Est-ce que c'est ton numéro là qu'il faut aussi WhatsApp? Je n'ai qu'un seul numéro, je n'ai pas deux. Ok. Et le nom, c'est. Mon nom, c'est Messina Arono C'est ce qui Clarisse. est marqué dans le Orange Money. Ok. Messina Arono Clarisse. Bon, vous avez même si c'est écrit, mais ce n'est pas grave. Vous allez, comme vous allez, j'irai avec Clarisse. Oui. Bon. Je reprends ton numéro OM. 00237 697 85 72 84. Ok. Comme ça, je vais épingler ça. Bon, après, tu restes dans le live. On va continuer à développer. Après, je vais t'appeler quand ça sera nécessaire. Bon. On va récapituler. Voilà le numéro OM de la femme que j'ai épinglé. Je ne veux pas qu'on, si quelqu'un peut l'aider. C'est une femme qui vous a dit, son mari, c'est un handicapé de guerre. Un, ça veut dire que son mari a work pour le Cameroun. De deux, ce n'est pas une femme qui mendie. C'est une femme qui se bat. Malgré l'handicap de son mari, elle se bat. Elle ne vend pas le piment. Elle est dans ses petits business. Voilà son numéro OM qui est là. Elle n'a pas pu inscrire la scolarité de son enfant. Ce n'est pas qu'elle n'a pas travaillé. C'est qu'elle a travaillé et les bengistes se sont assis sur son argent. L'argent d'une femme qui est au Cameroun qui voit. A les allures d'une femme d'entreprise. À quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Des lolos, il y en a plein dehors. Pour tous ceux qui peuvent aider cette femme, voilà son numéro OM qui est là. Même un 10 000, même un 5 000, envoyez. L'argent ne vient pas chez Amère Kamer. J'ai enlevé mon numéro PayPal, j'ai positionné son numéro. Donc, tous ceux qui me regardent, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez n'importe où, si vous pouvez aider l'Angala, même un 500, même un 1 000 francs, il faut donner seulement. Ne donnez pas en sachant que non, ayez le courage, c'est-à-dire que même 500, parce que là où on est là, si
chacun envoie 500 seulement dans le haut. Ça va lui donner quelque chose. Ça va lui donner ce qu'on appelle l'espoir. Vous avez vu à la fin du live, le sourire venait déjà. Nous sommes tous des petits dieux sur terre. Nous avons le pouvoir de rendre les gens heureux et nous avons le pouvoir de rendre les gens malheureux. Entrons dans l'équipe qui rendra les gens heureux. Tu as expliqué ça, son truc. Quand elle a expliqué ça, j'ai vite compris. Parce qu'une femme qui vend un produit et que on lui dit maintenant que non, maintenant un acheté deux, un acheté l'autre gratuit. Pendant ce temps, on vend ton produit 3 fois plus cher. Et on te mange. Donc, suis amer quand même. Cette femme a besoin d'aide d'abord pour le moment. On essaie de faire un peu, un peu, un peu pour qu'elle gagne un peu d'argent. Et maintenant, s'il y a des personnes qui peuvent entrer dans ce qu'on appelle investir, quand je vous dis toujours que pour investir au Cameroun, quand on dit que l'entrepreneuriat communautaire est basé sur ce qu'on appelle la confiance de la collectivité dans laquelle nous véhiculons. Ça veut dire que quoi? Avec 1 million, tu peux déclencher un business avec la petite fille là, tu te retrouves à le tourner de 20, de 30 millions. Voilà un exemple de business où vous n'avez pas besoin de 30 millions, non. Tu t'engages dans un partenariat, vous m'appelez comme témoin. Ça veut dire que vous dites que Amer Kamer, Langa qui était venu dans ton jeu, je suis en partenariat avec elle. Je veux que tu sois témoin de quelque chose. Vous entrez en contact avec moi, vous entrez en contact avec elle. On pose les trucs sur terre. Voilà quand on vous dit souvent que l'argent, il y a l'argent dehors. Quand on vous dit toujours que l'argent, il y a l'argent dehors, c'est le projet qui fait l'argent. L'argent n'a jamais fait un projet. Là, Lola a mangé son argent. Lola a mangé son argent jusqu'à. Mais avec le geste que vous allez faire, vous allez sauver cette fille. Parce que beaucoup s'attendent à ce que je clash Lolo. Non. Je donne à Lolo une leçon de vie. En voulant traiter quelqu'un, la personne finit par s'élever. En voulant manger sur la souffrance de quelqu'un, on finit par l'élever. Je ne clash pas Lolo ce soir. Je lui montre ce qu'on appelle une hygiène de vie. Apprenons à respecter la douleur des gens. Donc, là où vous êtes là aujourd'hui, les abeilles, je vais demander à votre reine-mère, pardon, qu'elle fasse quelque chose. La TKC, voilà une soeur, même si on envoie seulement chacun 1 000 francs, chacun 1 000 francs, au moins, en début d'année, va dire que oui, j'ai rencontré un gars qu'on appelle Amer Kamer, au moins j'ai bien passé les vacances. J'ai rencontré la TKC, j'ai rencontré tout le monde, j'ai rencontré tout le monde. Et là, on pose quelque chose de positif. Et en même temps, on lui fait passer une bonne année, une bonne fin d'année. En même temps, on ouvre un partenariat avec ces personnes de la diaspora. Il y a beaucoup de femmes obèses dans la diaspora camerounaise. Il suffit que quelqu'un de son plein gré se dise que ma soeur, nous allons travailler ensemble. Un petit 1 500 euros, je peux vous dire une chose. Avec la capacité, ça peut intéresser Flore, ça peut intéresser Compresseur, ça peut intéresser toutes ces femmes qui ont de la visibilité et qui ont le pouvoir d'achat qui peuvent faire des choses. Pour faire les affaires, il suffit juste d'avoir le bon projet. Vous avez vu que cette fille ne pense pas qu'à elle. Parce que même quand on lui a dit, on paye ton projet à moitié prix, elle n'a pas hélasement dit, j'accepte. Même quand on pilait, même comme on pilait sur elle comme ça, là, quand on pilait sur elle, on pilait sur elle, pilait sur elle, elle a dit, j'accepte. J'étais au Cameroun. Je sais ce que c'est que le Cameroun. Deux fois, vaut mieux éviter une guerre. Je pouvais se dire à cette dame, va porter plainte. Je pouvais dire à cette dame, va faire ceci. Mais quand il faut regarder qu'on va payer l'avocat, quand il faut regarder qu'on va passer le temps ici à faire XY, on dit à Lolo, mangez l'argent là. Mais on va essayer de faire un effort avec les followers d'Amer Kamer, avec les followers de tout le monde. On va essayer de donner même 50 euros, même, pardon, on va donner même 500, même 1 000 francs, même. Mais 2 000, ceux qui peuvent envoyer 10 000 pour que la fille puisse passer une bonne fête et pour qu'elle puisse inscrire sa fille. Et maintenant, pour ceux qui veulent des produits, il y a beaucoup de personnes à l'intérieur qui peuvent subventionner cette femme. Voilà un bon business qui se présente. Voilà un business où vous avez déjà la matière brute. Voilà un business où vous avez déjà quelque chose qui a montré. Parce que pour que la fille envoie plus de 200 produits, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ça veut dire que s'il y a une soeur dans la diaspora qui veut entrer en partenariat avec cette femme, voilà son numéro qu'elle a, vous l'appelez. Et quand vous appelez aussi, si vous voulez une assurance, vous m'appelez aussi. Voilà le but. Facebook,
c'est le tribunal du pauvre. Nous, on n'a pas les relations avec le tribunal. Nous, on n'a pas les relations avec X ou Y. Maintenant, comme d'habitude, quand Amer Kamer intervient dans l'affaire de quelqu'un, c'est Amer Kamer qui se retrouve toujours devant les tribunaux. C'est Amer Kamer qui se retrouve toujours devant X, devant Y. Pour la bonne cause, vous pouvez me traîner en justice autant que vous voulez. J'en ai rien à cirer. Pour la bonne cause, vous pouvez me traiter, vous pouvez me traîner partout, organiser des kidnappages, organiser des comment Mouta fait la dernière fois, organiser des gens qui ont venu me filmer comment on m'arrête. Je serai toujours dehors parce que je suis toujours pour la vérité. Je ne clash pas Lolo, mais je donne une leçon de vie à Lolo. Cette femme que tu voulais escroquer, demain après demain, quand vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez des femmes aujourd'hui comme les Karimou, je vais prendre un exemple. Comme Karim, parce que c'est une femme que j'apprécie énormément. Quand vous voyez Karim aujourd'hui, on oublie que Karim a commencé à vendre les produits dans les bouteilles de Jinja, que Karim a commencé à vendre les produits dans les bouteilles de Tanguy. Aujourd'hui, les gens sont jaloux de Karim parce que Karim a les enceintes, machin, tout. Voilà aussi une petite fille aussi qui peut être Karim de demain. Voilà aussi une petite fille qui peut être Karim de demain. Vous aimez toujours entendre que les autres marques viennent de même. Mais quand vos propres soeurs font les marques, c'est vous qui les combattez. On a combattu l'Empire de Flore de Lille ici. Tout le monde a vu. Ne laissons pas la jalousie et l'orgueil faire de nous des hommes bien. Voilà une fille qui est là. Voilà un bon business, un bon petit business. Un bon petit business. Et je peux vous montrer même, je peux vous donner même les tenants et les aboutissants de ce petit business. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu entres en contact avec la fille, tu appelles Flo, tu dis Flo, maman, j'ai un bon, j'ai un petit business là. Maman, on fait comment par rapport à ta visibilité? Je te donne tel pourcentage. Ouais, compresseur, comprends-moi comment tu vas vendre aussi. Je te donne tel pourcentage. Voilà un petit business que les blogueuses sérieuses peuvent s'organiser comme ça pour commencer à écouler des produits fiables et efficaces. Demain après demain, on entend que oh, elles sont déjà quelqu'un. On va se dire que c'est le piment. Ce n'est pas le piment. C'est parce qu'elles ont travaillé dur et longtemps. Voilà le leçon à retenir aujourd'hui. Voilà une fille qu'on voulait tuer en lui menaçant qu'on va s'accacher tes produits à les réseaux sociaux. Tant que Amer Kamer est là, comme ça, on va les sauver. On va les sauver. C'est comme ça que nous allons faire. Attendez, je bloque quelqu'un qui est là. Voilà. Parce que quand tu les bloques comme ça, là, ils vont... Voilà, merci. Ouais, il a été bloqué. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Non, tu ne... Non, 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 non. Njapa, tu continues. Je te bloque même dans tout le jeu. Parce que de fois... Et te suspend. Voilà. Ils sont le blague pas. Il s'agit d'une femme qui est en détresse. Il s'agit d'une femme qui est en détresse. Nous sommes en train de régler le problème de la femme. Donc celui qui a porté des comportements bizarres est bloqué automatiquement. Et quand je bloque, je n'ouvre plus. On est là pour régler le problème d'une femme qui a été victime d'une escroquerie, d'une traite de la diaspora, d'une blogueuse Lolo. Elle a montré que voilà ce qui se passe. Il faut qu'on soit précis. Donc, on n'est pas en train de blaguer. Ils sont réels. Si vous n'avez pas le courage d'investir dans vos pays, laissez ceux qui veulent investir. Ça, c'est un petit business qui commence petit à petit. Demain, quand vous allez entendre que l'Empire là, pèse 30, 40, 60, 100 millions, vous allez commencer à ouvrir vos yeux, à pouvoir dire que oh, elle vend le climat. C'est comme ça que vous salissez Karim aussi matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Oh, Karim aussi, c'est Karim aussi. Quand il commençait, vous étiez où? Voilà un business où vous pouvez commencer. Voilà un business où vous pouvez commencer. On est là pour donner des opportunités à ceux, à celles qui veulent travailler, d'être des gens de demain. Voilà comment nous travaillons. Cette dame a besoin d'aide. Pour ceux qui peuvent donner, maman, donnez. Si j'étais au Cameroun, j'allais lui donner au moins, peut-être même un petit quelque chose. Mais là, je suis en Belgique. Je suis dans mon game, mais là, en Belgique, j'ai mon Uber tranquillement. Soyons sérieux quand il faut être sérieux. Donnons l'opportunité à ceux qui sont au Cameroun et à ceux de la diaspora de travailler, de créer des partenariats. On est fatigué de dire qu'il nous faut les gens qui viennent de même. Il nous faut les blancs pour venir investir au Cameroun. Voilà un petit business où la diaspora camerounaise peut, vous savez que la diaspora camerounaise peut ouvrir quelque chose avec quelqu'un au pays,
avec moins de 1 million ou bien avec 2 millions en fonction de la demande. Voilà un petit business à qui donne les deux dans le easy. Ce n'est pas seulement qu'on va au nom. Le business, un business qui donne l'argent, c'est un business que non, ça vit. Il y a beaucoup de business. Il y a les laveries. Il y a beaucoup de business. On peut investir dans l'agriculture comme jamais, quand même. Celui qui veut un hectare de plantain, c'est 2 millions. On discute, on pose ça en place. Voilà comment nous allons construire le Cameroun de demain. On n'avait pas construit le Cameroun de demain dans la jalousie, dans le Congo, ça, dans ceci. Voilà ces femmes qui se pavanent. Regardez les histoires de la honte. Voilà ça maintenant, 200 000 dépenses à payer. Maman a Oprah, maman a ceci, maman a cela. Vous aimez toujours suivre les gens qu'on voit dans les réseaux sociaux. Voilà les conséquences. Vous aimez toujours suivre les gens qu'on voit. Oh, on a un Brésilien, 35 pouces, 45 pouces. Voilà, c'est-à-dire que voilà les gens que même pour payer même la nourriture chez eux, ils ne peuvent pas payer. Maman a frigo vide. Par contre, il fallait voir les posters de réveillon de Noël, n'aba caviar, n'aba foie gras, n'aba ceci, n'aba ceci, n'aba cela. Mais quand ils vous montrent ça, là, est-ce que vous êtes sûr que c'est pour eux? Non. Là, on vous donne l'opportunité avec une femme qui se bat malgré l'handicap de son mari. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'est pas allée vendre le piment à mini faible. Elle a dit, je vais me battre pour mon mari. Et on va lui donner parce qu'elle a d'abord cette force et cette détermination. Maman, tu as mon numéro de téléphone. On va établir des paris. Je vais te montrer comment on peut dresser un bon, comment je vais dire, une bonne structure entrepreneuriale à ton niveau pour que tu puisses vraiment évoluer. On ne peut pas te. Je vais te dire quelque chose. Deux fois, on dit souvent qu'à quelque chose, malheur est bon. Le fait qu'on a voulu te salir, qu'on a voulu te rabaisser, tu es tombé sur Amer Kamer. Amer Kamer, c'est comme ça que Jésus disait. Moi, quand je suis derrière quelqu'un, Tu as parlé, les gens ont vu. Mais je demande à tous ceux qui ont vu là que c'est pour eux là seulement. Beaucoup de personnes, avec donnant un petit quelque chose, ça finit par faire un grand quelque chose. Voilà ce que je tenais à vous dire ce soir. Voilà. Donc, c'était Amer Kamer, le fils de la nation. Surtout, partagez le live, parce que quand le live va sauter, enregistrez le live, vous allez partager ça partout. C'est très important. Aujourd'hui, on comprend pourquoi Lolo est le roupéro. Aujourd'hui, on comprend. On comprend pourquoi Lolo est le roupéro. On comprend aujourd'hui pourquoi Lolo jalouse fort. Pourquoi Lolo jalouse compresseur. Aujourd'hui, on a les matas qui sont dehors. N'enviez jamais les gens que vous voyez derrière un écran. Parce que vous ne savez pas. Si on vous dit que vos pauvres vies ont de la valeur plus que leur vie, vous n'allez pas croire. Quand on vous dit que leur pauvre vie là ont de la valeur plus que leur vie, vous n'allez pas croire. Contentez-vous toujours de ce que vous avez. Respectez toujours ce que vous avez. Que les blogueuses et les blogueurs ne vous mentent pas sur ce qu'ils vous montrent dans les réseaux sociaux. Mettez ça dans la tête. En 2023, je dois être la meilleure version de moi-même, pas des autres. En 2023, je dois être vrai envers moi-même. Je dois être travailleur. Je dois arrêter la jalousie. Je dois être ouvert. Je dois orienter ceux qui me suivent vers quelque chose de meilleur. Quand il y a une soeur qui souffre, je dis, maman, je n'ai pas l'argent, voire 2000. Mais comme je connais beaucoup de gens, attends, je fais le poste. Peut-être que quelqu'un peut que d'abord tomber sur toi. Peut-être en faisant un poste ce soir, peut-être que la soeur peut recevoir ses petits 10 000, ses petits 20 000. Mais ma soeur, mets la croix sur Lolo. Comme je te dis, mets la croix sur Lolo. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on va arrêter le live. On va arrêter le live. Mais on vous dit toujours, l'enseignement de ce soir, La leçon de ce soir était à quelque chose, malheur est bon. Linda Larissa, tu es en train de dire, Lolo, je vais vous dire quelque chose. Ce que, laissez Lolo. Pourquoi je vous dis de laisser Lolo? Ce que cette femme deviendra demain ou après demain, c'est ça qui va tuer Lolo. Quand Lolo va voir que la fille ici que j'ai mangé, c'est 200 000. Là, voilà qui pèse aujourd'hui 30, 40 millions. Elle va d'ailleurs. Vous connaissez la chose. Un gars t'a déjà barré. Que le gars te barre. Et quand il te barre, même, peut-être avec la moto, peut-être avec un vieux taxi.
2 ans plus tard, tu passes devant avec un V8. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce qu'il y a dans la tête du gars au moment où le gars te voit? C'est-à-dire que je ne sais pas si vous pouvez imaginer que quelqu'un que tu as walk avec lui, il t'a chop, il t'a mis les bâtons dans les roues. Tu es parti dans le doudou. Demain ou après-demain, tu trouves le gars devant là-bas. Est-ce que vous savez comment ça fait mal? Non, c'est pour ça qu'il faut aimer le travail. C'est pour ça qu'il faut aimer le travail. C'est pour ça qu'il faut aimer le travail. Soyez toujours vrai envers vous-même. Moi, quand on me traite de procès, on me traite de ceci, de cela. N'est pas que c'est pas eux que la police cherche ici dehors. Parce que je suis resté vrai envers moi-même. Je suis resté focus envers moi-même. Quand je suis derrière quelqu'un, je suis vrai. Je ne suis pas deux faces. Je suis une face. Je suis droit. Cette dame, je sais que beaucoup de followers vont lui donner un coup de main. Salut, Mimi. Je sais que beaucoup de personnes vont lui donner un coup de main. Et je vous dis, je vous remercie d'avance, que les ancêtres multiplient tout ce que vous allez faire par rapport au don que vous allez faire à cette fille. C'est très important. Elle a besoin de ça. Parce que de par son courage, de par sa détermination, elle vous a montré que malgré l'handicap de mon mari, je n'ai pas besoin du gouvernement pour être ce que je suis aujourd'hui. Je me bats, je fais mes produits, j'envoie. Donnons-lui l'opportunité d'être aussi quelqu'un de nous. Donc, maman, la plainte laisse. La plainte ne t'apporte rien. Ce qui va t'apporter quelque chose, Clarisse, c'est le travail. Mais je sais qu'avec la bravoure de tous ceux qui nous ont regardés, ils vont t'aider. Parce que la diaspora camerounaise n'est pas qu'une diaspora qui parle. Il y a certaines personnes dans la diaspora camerounaise qui ont la main sur le cœur. Même si ce n'est pas tout l'argent, mais ils vont t'aider. Maintenant, tu as mon numéro de téléphone. On va travailler en inbox. Je vais te montrer vraiment la force de l'entrepreneuriat communautaire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je sensibilise beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat communautaire. Actuellement, tu n'as pas seulement la chance parce que je suis en France. Mais quand je vais rentrer au Cameroun, on va se voir en tête à tête. On va booster ton entreprise. On va booster tout ça. Je te promets qu'on va booster ton entreprise. Salut Jacqueline Jo, comment? Toi aussi, tu n'as même pas honte. Bonne année quand même. Dieu, bonne année. Joyeux.